Et c'est parti pour une vidéo, et c'est t'y pars, hein, tout simplement, allons-y. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à dire une chose qui, je suis choquée, je viens de découvrir. S'il vous plaît, insultez-moi dans les commentaires. Enfin, insultez-moi, mais pas trop, hein, faites pas bannir par YouTube. Même si j'ai l'impression que YouTube s'en bat les steaks, mais je viens de découvrir quelque chose. Mais regardez, vous voyez ce logo-là? C'est le logo plein écran. Et bim, j'ai plus besoin de recadrer. J'ai plus besoin de recadrer mes vidéos sur mon logiciel de montage. Mais je suis une imbécile. Je suis une grosse imbécile, les gars. Insultez-moi. Yo, petit citron de l'espace, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, à citronner ton meilleur pouce bleu. Et si t'aimes l'histoire d'horreur, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne de thread horreur 15 ailes de sueur. Ou si tu préfères les vidéos fun et délire avec du Roblox et d'autres jeux, ma nouvelle chaîne Litre Gang. Le lien en description et à la fin de la vidéo. Et voici 2-3 commentaires qui gagnent un drip, un pixel. Et si toi aussi tu souhaites tenter ta chance, laisse un commentaire cool avec ton pseudo sous la vidéo. Tu seras peut-être tiré au sort sur une prochaine vidéo. Et c'est t'y pars pour le contenu. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en plein écran Full HD, les gars. C'est limite de la 4K. Non, on est un petit peu vraiment hyper loin de la 4K. Mais c'est une vidéo dans laquelle je vais regarder un petit peu les messages, etc., etc. Donc, je voulais aller voir déjà au niveau du top, parce que rappelez-vous ma dernière vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir, parce que du coup, maintenant, vous ne pourrez plus le voir, puisque, effectivement, dans le top, tout est redevenu normal. Donc, c'est-à-dire que Poupini est number one. On est un petit peu revenu dans la réalité, la dure réalité de la vie où on peut toujours rêver être top 1. Parce que bon, hein, le hack nous avait démontré que c'était possible de détrôner Poupini. Mais bon, après je rigole bien sûr parce que c'est absolument pas mon intention d'être top 1 sur MSP. Hein, pour ça, je suis bien trop flemmarde, les gars. Et c'est quoi sa solde? What the fuck? Oh, je suis déçue. Je suis vraiment déçue parce que je pensais qu'il y avait vraiment des bonnes soldes. Et bon, c'est juste des soldes où ils rajoutent du temps. Mais moi, je voulais le VIP au prix du VIP. Mais en même temps, dites-moi en commentaire, les gars, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de prendre un star VIP, finalement? Alors qu'un VIP, ça suffit largement pour acheter tout ce qui est VIP, etc. Mais c'est quoi qui change, en fait, entre les deux? Ah mais oui, c'est que t'as pas le pack. T'as pas le pack. Mais à long terme, les gars, à long terme, si on compte s'acheter les packs... à côté, c'est bien aussi. Parce que là, franchement... Ouais, là, ouais, bon. Je sais pas trop, mais bon. I don't know. Je sais pas, je suis indécise. Bref, ouais, à part... Ouais, donner des autographes toutes les 2 minutes. Voilà, je ne sais pas trop. On va aller dans mon profil. Ah, pas dans mon profil. On va aller dans les fame et... Ah mais je connais cette personne, Mimi, c'est Mimi qui m'a donné le plus d'auto, je suis quand même à 5000 autographes, c'est incroyable. C'est incroyable, ça mérite quand même un cadeau tout ça. Des fois je me dis, en fait je me dis rien du tout parce que je suis un peu bête. Hop, une casquette ou... Eh bien bravo MSP, hein, toujours attendre. Limite, je mets une musique de salle d'attente, hein, le temps que mes cadeaux y chargent. Mais même ça, l'ascenseur, il aurait le temps de faire les 100 étages et ce serait toujours pas fini. Moi qui voulais offrir un cadeau, bah écoute, on va revenir première page. la casquette, celle que je porte ou pas? Je crois que c'est celle que je porte. Donc du coup, on va lui offrir une petite casquette Ink. Ça fait plaisir. Voilà, même envoyer un cadeau, c'est compliqué pour Movistar Planet. Hein. Je vais bientôt commencer par me demander si j'ai toujours de la co. Est-ce que le cadeau, il s'est envoyé? Je sais même pas. Mais what? Mais c'est nul. MSP, t'es nul. MSP, c'est vraiment nul. Je vais relancer parce que là, ça craint. Et voilà, j'ai relancé, mais je vais quand même vérifier si le cadeau, il a été envoyé. Parce que bon, je veux bien, mais bon, à un moment donné, on va voir si ça fiche sur la première page. Tu n'en as aucun à donner, bah merci. Ah bah c'est bon, ça c'est quand même envoyé. Hein. Au moins il y a ça, mais il n'y a pas eu de message, il n'y a rien eu. Ça fait pas plaisir. Hein. Eh bien écoutez, on va aller regarder un petit peu les messages que j'ai reçus. Donc merci beaucoup. Tu fais une vidéo. Yes. Salut, j'ai vu ta vidéo YouTube. Tu crois que MSP vont bientôt bannir la
première du top. Donc du coup, c'était le premier étant donné que c'était un garçon. J'ai une petite mémoire, mais quand même, je crois que c'était un garçon. Et oui, bah du coup, il est déjà banni. Bah du coup, on va lui dire. Regarde le top, tu auras la réponse. Puisque dans ma vidéo, je disais que selon moi, ça ne durerait pas longtemps et que rapidement, il serait banni. Quoique, avec MSP qui met déjà 40 ans à te répondre quand tu leur envoies un message au support, ça pouvait durer quand même. Mais bon, finalement, j'ai été mauvaise langue car il est déjà banni. Hein. Regardez le message de Chloé Labesse qui a envoyé des autos. Donc, merci beaucoup et coucou à toi. Bah tiens, j'ai envoyé un auto. Bon, ce sera... Le prochain, ce sera pas avant une heure. En tout cas, merci beaucoup à toi. Ça c'est parce que j'ai offert des cadeaux. Je crois que j'ai offert plein de cadeaux. Ouais, c'est hier en fait, j'ai offert plein de cadeaux. Voilà, comme je vous ai dit, j'envoie des cadeaux. J'essaie d'envoyer régulièrement des cadeaux. Merci beaucoup, Quinzel, t'es la meilleure. On va lui faire un gros cœur. Donc, Ava qui m'envoyait plein d'autos. Mais franchement, j'ai honte encore une fois. J'ai honte. Coucou, Quinzel, c'est normal que je ne t'ai plus en ami. Alors, attention. Non, on est amis. Mais ouais, j'allais en revenir. Il est possible que des fois, vous ayez des gens en amis et que vous ne les voyez pas en amis. C'est le fameux bug qui date de l'année 1960 qui fait qu'en fait, on peut être amis et voir quand même le petit logo plus pour ajouter en amis parce que on le voit pas en amis, mais il est en amis. Et malheureusement, moi, j'ai ce problème. Du coup, des fois, il y a des gens, je suis pas sûre qu'on est amis. Du coup, je renvoie une invitation. Et quand je renvoie une invitation, forcément, ça m'enlève des amis. Donc c'est un petit peu beaucoup chiant, mais faites attention à ça, ça arrive que vous me voyez plus en ami, mais en fait on est quand même amis. Ça arrive, ça se fait peut-être pour toi de tout compter, tu ne nous vois pas en ami, mais du coup je te confirme qu'on est bien amis, Ava. Ensuite, Miss Unicorn 35 qui a offert des cadeaux, des autos, mais elle est trop mignonne, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi Miss Unicorn 35 si tu vois cette vidéo. Ensuite nous avons Doudou Mignon. Donc Doudou Mignon pareil, mais regardez, mais c'est incroyable, les gens ils m'offrent des cadeaux, des autos et tout, et moi je suis une grosse merde. Incroyable. J'essaie de voir s'il y a des messages, mais merci beaucoup à toi Doudou Mignon également, merci beaucoup à toi. Ah. Ok. P aromatisé. Alors déjà, on a un pseudo d'exception. La personne, elle s'est levée un matin, elle s'est dit, tiens, si je crée un compte qui s'appelle P aromatisé. On va revenir au début de cette conversation qui m'a l'air fort intéressante. Donc, nous avons P aromatisé qui déjà nous offre un cadeau. J'aimerais bien voir la tête de ce cadeau, hein. Mais je pense que j'ai déjà dû l'ouvrir. Coucou, c'est toi, Madame Toilette. Non, c'est pas moi, Madame Toilette. C'est pas moi. J'ai pété dans ma chambre, ça pue, l'œuf pourri, au secours, ça pue... J'ai fait un bébé foireux. Incroyable, elle va se tuer avec son propre P. J'ai chié dans ma culotte. Je vends des boîtes de caca 10 euros. La grande caca 100% française. Souzou. Non mais c'est... Oh non. Alors attendez. Parce qu'il faut quand même qu'on reste sur cette référence de la vente de boîtes de caca. Parce que c'est quelque chose qui existe dans la vraie vie. Il y a des gens qui me disent quoi, 15 ans, qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Oui, il y a vraiment un mec qui a vendu sa merde en boîte. Je ne rigole pas, ça existe vraiment. En fait, le mec, pareil, il s'est levé le matin, il s'est dit, bah tiens, si je vendais ma merde. Et le pire, c'est que ça a marché de ouf. Le mec il vendait ses caca hyper cher et ça partait. Et en fait ça s'appelait je crois le caca d'artiste. Ouais, je pense que ça devait être un mec, peut-être un artiste, vraiment peut-être un peintre, je sais pas ce qu'il était, faudrait que j'aille voir sur Wikipédia, je ne sais plus. Mais le mec il vendait des caca en boîte de conserve et il les vendait, ça se vendait. Donc des fois je me demande, les gens qu'ils ont reçus ces caca, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'ils ont tartiné leur pain avec? Est-ce qu'ils les ont mangés? Je ne sais pas trop, ils se sont dessinés des moustaches avec... Oh non, j'arrête. Ah, ça... Ah, je suis pas bien, là j'ai envie de vomir. Mais ça existe, hein. Regarde mon artbook, Sautir Time, j'ai plus expliqué comment... Caca. Ah. Ok, bah on va aller voir l'artbook de paix aromatisé. Elle nous explique quand même comment faire caca. Je demande... Ah, je ne peux plus, j'ai plus de place, je voulais l'ajouter. Mais c'est pas grave, du coup on va quand même aller voir son artbook. Ça pue au secours. On va aller voir... Oh non. Mais non, j'en peux plus de compte. Nouveau tuto, Vorité. Oh non, j'ai envie de voir tous ces artbooks. On va aller voir tous ces artbooks. Non mais alors, je suis un Yeti. Mais non, ralala, je te lance une...
Incroyable. Et on va aller voir l'artbook. Alors, tuto, comment déjà... Ah non, mais non. Aidez-moi. Alors, tuto, comment déchiqueter une merde? Tout d'abord, faisait caca. Ensuite, prenez un couteau. Il y a même mon chien qui est venu parce qu'il m'a entendu gueuler. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'il y a, Nex? Oui, bah oui, maman est en train de regarder comment déchiqueter un caca. Tout à fait. Et prenez 2 cm chacun et coupez, voilà. Oh non, je vous jure. Ah non, alors excusez-moi. Bravo, je ne suis plus du tout youtubeuse raffinée. Je ne suis plus du tout sexy raffinée quand je lis ce tutoriel. Mais attendez, excusez-moi. Oui, je fais partie de ces gens-là qui rigolent pour des blagues pipi caca. Oui, totalement, je fais partie de ces gens-là. Des gens qui diraient ça, disaient mais qu'est-ce que c'est puéril. Mais moi, la vérité, c'est que ça me fait rigoler. Je pleure, incroyable. Je pleure quand je regarde ça. Mais moi, ça me fait trop rigoler, les gens. Franchement, les personnes qui m'envoient ce genre de message, je rigole. Je préfère largement recevoir ce genre de message drôle, etc., que des insultes. Bon, en même temps, c'est... Hein, voilà, c'est un peu logique, mais attendez, mais elle a pas fait d'autres... D'autres artbooks. C'est dans quoi déjà les artbooks? C'est là-dedans, je crois. Artbook, ouais. On va regarder. Ah, mais mon dieu! Mais regardez ces pépites! Franchement, allez voir son compte et regardez. C'est... Attends, j'ai envie de lire sa story time. Salut, encore moi, c'est pour vous faire une story time. Enfin, une fois, j'avais fait caca dans ma culotte. Mais au début, je savais pas. Alors, au début, je sentais quelque chose aller. Pas mon odeur avait changé. Ça sentait plus la merde que le bruit. Et je sentais comme une saucisse dans ma culotte. Et je sentais que ça s'écrasait. Alors, je regarde aux toilettes. Et qu'est-ce que je vois? Une grosse saucisse marron. Devinez ce que j'ai fait, vous le saurez au prochain épisode. Oh non! Ah non, j'ose pas deviner ce qu'elle a fait avec. Non, je... Franchement, je pense que ma vidéo, elle va se faire démonétiser si je regarde la suite de sa story time. Donc, on va peut-être pas aller plus loin. Non, mais je pleure. Je pleure. Vraiment, je pleure. Pouh. Alors, je tiens à dire quand même que ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigolé. Et franchement, merci, P aromatisé, je vais arriver. Merci beaucoup à toi parce que tu m'as fait rigoler, je pleure, j'ai le nez bouché. Et merci à toi. D'un côté, je me dis au moins je sentirais pas l'odeur. Bah ouais, c'est ça en fait. Il faut que tu rigoles tellement que tu pleures et que du coup ça te bouche les narines et tu sentiras plus l'odeur dans ta chambre. Enfin bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir César à vous, franchement, mais... Franchement, dites-moi si vous voulez que je refasse une vidéo sur la suite de ces artbooks. Tant pis, elle sera démotivée. Mais bon, c'est pas grave, au moins, on va bien rigoler. Dites-moi en commentaire. Et je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo parce qu'il faut que j'aille me moucher, les gars. Oh, j'en peux plus. Et je vous fais des... En plus, je vois quoi? Troisième narine, MDR. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, les gars. Des bisous et ciao.